Bonsoir tout le monde. Nous sommes vendredi sur YouTube, vendredi 19h. Et pour ceux qui suivent en direct l'émission, nous sommes jeudi. Nous l'avons seulement différé. Désormais, l'émission Le Candidat va avoir lieu le vendredi à 19h. Bienvenue tout le monde. Mon nom est Gilbert Thibodeau. L'émission Le Candidat, depuis 2018, je reçois à quelques reprises des invités importants et de différents partis, même des sénateurs. Que ce soit de la CAQ au provincial, que ce soit au niveau fédéral, Parti vert du Canada, que ce soit, peu importe le niveau de gouvernement, c'est un plaisir de recevoir les invités et 2024 n'est pas une exception. Aujourd'hui, nous avons un invité incroyable qui a été candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec à deux reprises. Il a été également candidat lors d'une campagne électorale pour le Parti populaire du Canada, deux fois, et il est considéré par le chef actuel du Parti populaire du Canada comme étant le lieutenant au Québec. C'est un plaisir de le recevoir. Ce n'est pas la première fois. J'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière fois. Il est intéressant. Il connaît la politique. Il a été candidat. Il s'implique énormément. Et j'ai quelques questions à lui poser parce que des gens... Je remercie tous ceux qui écoutent l'émission Le Candidat, que ce soit sur luxmedia.info ou sur YouTube. Vous pouvez faire des commentaires si vous avez des questions. C'est justement plusieurs personnes qui m'ont dit que ce serait peut-être intéressant de recevoir Daniel Brisson. Comment ça va, M. Brisson? Bonjour, Gilbert. Merci de l'invitation. Bienvenue, bienvenue, re-bienvenue à l'émission. Ben oui. Je pense que c'est il y a deux ans. Deuxième fois, déjà, ça passe vite. Trois ans, peut-être, 2021, la course à la chefferie. Donc, c'est 2021. Le temps passe vite. C'est pointable. Hein? C'est incroyable. Vous avez l'air de le même jeune homme, le même... Faut se garder beau et jeune et en santé, hein, si on veut plaire aux voisines, hein, comme vous dites. Il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Voilà, ça, hein? Surtout pas malade. Alors, pas on prend nos vitamines tous les jours, hein, c'est important. Puis du soleil quand on peut. Oui, du soleil quand on... Oui, ouais, ça, c'est important. C'est très, très, très important. Monsieur, j'ai deux, trois choses à vérifier avant. Vous avez été, Daniel, candidat à la chefferie du PCQ deux fois. Ça, c'est Parti conservateur du Québec, exact. Deux fois candidature. La première fois, c'était qui était candidat également? Ah, bien, c'était Adrien Pouliot, en 2012-2013. Donc, moi, j'avais commencé... C'est ça, c'est l'année que j'avais pas. 2012-2013, donc 2013. Ça a commencé en novembre-décembre 2012. Donc, je m'étais lancé et Adrien est arrivé, je crois, au mois de janvier 2013. OK. Et là, lui est devenu chef et là, a laissé la chefferie et la place était M. Duhaime et Daniel Brisson. Il n'y avait pas d'autres candidats? Non. Bien, il y a eu un autre candidat qui a essayé, mais au mois de décembre, il a dû se retirer parce qu'il ne répondait pas aux critères. Okay. Les critères avaient changé, il faut dire, de la course à chefferie et était très, très, très exigeant. Oh. Oui, il avait changé. C'était pas les mêmes critères qu'avant. Là, donc, basé sur un modèle de gros, gros parti. OK. Ah non, félicitations. C'est pas évident. Moi, j'ai toujours dit, puis tous mes hommages et félicitations, Daniel, parce que ça prend du courage, de la détermination. Il faut vraiment avoir des convictions, dire OK, je me présente. Il y en a plusieurs qui disent oh, moi aussi, je me présente. Allez-y. C'est ça, c'est la fameuse réponse qu'on est capable de donner tous les deux, c'est « vas-y ». Oui, puis j'entends encore des niaiseux. « Que si vous auriez fait de plus? » Bien, ça fait depuis 4 ans, je le dis. Vous avez raté une couple d'entrevues, je l'ai dit déjà. On a des solutions, les gens ne veulent pas les écouter, ils ne veulent pas les entendre, c'est le problème. Et bien, on sait de quoi qu'on parle, Gilbert, hein, mairie de Québec, candidat à la mairie, ça sent bien. Puis, je me suis présenté à la mairie de Québec aussi en 2017 contre M. Labeaume. Comme maire de Québec. Contre M. Labeaume en 2017. Ah oui, avec Oui. Puis il m'aimait beaucoup quand j'allais au conseil de ville. Il me reconnaissait. Il était tellement content de me voir. Puis je posais des questions. Ils sont encore sur YouTube, d'ailleurs. Puis de voir les réponses du maire, c'était tellement drôle. Mais bon, je ne suis pas responsable de ses réponses, comme on dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis responsable de mes questions. Je ne suis pas responsable de ses réponses. Justement, j'ai des questions. Et on va essayer de partir. Je veux expliquer avant de commencer aux gens.
Daniel Brisson est très impliqué et s'intéresse énormément à ce qui se passe, que ce soit au provincial, au fédéral ou au municipal. Il vient de le dire, il a été autant au Québec, au Canada et à Québec. Très, très, très impliqué. Donc, j'ai dit, tiens, il y a des gens qui aimeraient ça t'écouter. J'ai quelques questions, quelques sujets brûlants. Évidemment qu'on ne passera pas à côté. Je vais réussir à y glisser une question sur le budget du Canada qui vient de sortir il y a deux jours. Et c'est son opinion et c'est un plaisir de commencer tout de suite. PPC. Ça, c'est le Parti populaire du Canada. Ouais. On sait tous les deux qu'il vient d'avoir un budget hier. Ça ressemblait à un budget, on s'entend-tu, préélectoral. Disons qu'il y avait beaucoup de bonbons, de cadeaux, puis toutes sortes d'affaires. On va en parler un peu plus tard, mais ouais. Ma question n'est pas là. Ce sont des faits. Le Parti conservateur est en avance actuellement, partout au Canada, ou presque, parce qu'ici, au Québec, on est un peu différent. Il y a un autre parti qui s'appelle Bloc québécois. Mais, grosso modo, je pense que on s'entend pour dire que, bon, le Parti populaire du Canada va se présenter. Est-ce que le Parti populaire du Canada peut causer des problèmes au Parti conservateur du Canada, c'est-à-dire diviser le vote? Oui, c'est une question qui revient souvent. Et la réponse est non. D'abord, on ne sait jamais pour qui nos voisins et voisines vont voter. Hein? Ça, c'est clair. Première des choses. Mais deuxième chose, bien, au Québec, le vrai diviseur de vote, s'il était pour en avoir un, si ça existait, ça serait le Bloc québécois qui divise le vote au Canada au complet. Mais c'est une alternative. Il faut le voir comme des alternatives. Et les gens qui votent pour le Parti populaire du Canada... Bien, c'est pas pour rien qu'ils votent pour le PPC. Ils ne se reconnaissent pas dans les autres partis. C'est pas, on a parlé du budget, on n'ira pas trop dans le budget tout de suite, mais on a des différences avec le Parti conservateur du Canada. Hein, assez évidentes, merci. Plusieurs positions. Et même sur le budget, d'ailleurs, on n'est même pas d'accord avec les positions qu'ils ont prises ou qu'ils n'ont pas prises, si on peut dire. Et un exemple frappant, comté de Beauport, Limoilou, à Québec, il n'y avait pas de représentant du Parti populaire du Canada la dernière élection 2021. Il n'y en avait pas. Et Alou Boitler, du Parti conservateur du Canada, a perdu contre le Bloc québécois. Ah, il ne peut pas blâmer le PPC. On n'est pas responsable des campagnes des autres. S'ils font une mauvaise campagne, s'ils sont médiocres, mous, guenilles, guidounes, c'est leur problème. Alors, le choix est là. Et pourquoi voter pour le Parti populaire du Canada? Ben, ça, c'était mon autre question. Ben oui. Pourquoi voter pour le Parti populaire du Canada au lieu du Parti conservateur? Parce que là, vous venez de dire il y a des différences. Ben oui. Mais en partant, ceux qui veulent plus un Canada first comme principe, le Canada en premier, les citoyens canadiens en premier, la liberté, la Constitution, le respect de la Constitution, le respect des compétences provinciales, le respect des compétences fédérales, juridiction, c'est le PPC. Parce que Maxime Bernier, il est clair, il veut respecter la Constitution et les champs de compétences. Autant pour les citoyens que pour les provinces. Décentralisation extrême, c'est ce qu'on propose. Et non pas un gouvernement centralisateur. On a un budget de dépenses encore, un budget de irresponsable. Position de Poilievre, il joue encore dans l'histoire des logements, lui-ci. Et c'est pas de compétence fédérale. Pas du tout. Le fédéral n'a pas d'affaire à s'occuper des logements. Alors, c'est de l'ingérence politique encouragée par l'ensemble des partis. Et en plus, la position... Ukraine-Russie, l'intervention du Canada, bien, Poilievre est d'accord, nous autres, on est contre. On ne veut pas que le Canada se lance là-dedans. Même chose pour tous les autres conflits, mais notre priorité, c'est le Canada d'abord. Et améliorer nos ressources ici, arrêter de gaspiller de l'argent à gauche, à droite, dans des programmes internationaux. Et une autre différence avec le Parti conservateur du Canada, bien, l'accord de Paris. Bien, on est le seul parti au Canada, et même à tous les niveaux, même provincial, il n'y a même pas ça, qui, disons, on veut se retirer de l'accord de Paris. Éliminer la taxe de carbone comme c'était avant. Sans taxe de carbone, oui, zéro. Zéro dans le sens de zéro. That's it. On va enlever ces cochonneries-là et les bourses de carbone. Ça, c'est provincial qu'il y a le Québec qui a fait ça. Je suis totalement contre aussi, pas plus d'accord. Mais on n'a pas d'affaire à jouer là-dedans. Et sortir de l'accord de Paris, sortir des accords de l'ONU, l'OMS. Bien, on peut se retirer de l'OMS. Essayez de trouver une ligne du Parti conservateur du Canada comme ça, oubliez ça, vous ne l'aurez pas. Alors, des grosses différences là-dessus, ils vont... Là, c'est majeur, là c'est l'OMS, c'est-tu l'OTAN, tant qu'à faire? Bien, l'OTAN, ça, c'est un traité militaire, l'organisation, traité de l'Atlantique Nord, c'est de défense. Le problème qu'il y a,
c'est qu'il a changé de, direction au fil du temps. Bon. Et ça, c'est un problème. Ça, on a déjà une entente signée avec l'OTAN. Est-ce qu'on en a encore besoin? Il faudrait une réflexion là-dessus. OK, OK. C'est ce que je voulais entendre. Donc c'est différent de l'ONU. L'OTAN, ce n'est pas l'ONU. Le Parti populaire du Canada a vraiment l'intention d'aller voir dans... ouvrir tous les tiroirs et dire, regarde, on a-tu besoin de ça? Ah, il y a des choses qu'on va couper rapidement. Là, les budgets à l'ONU d'aide internationale pour des routes en Afrique. Mais c'est pas dans le programme aussi du Parti conservateur? C'est pas de... C'est exclusivement Parti populaire du Canada qui dit, nous autres, on les ouvre tous les tiroirs. Pourquoi on paierait pour des routes et l'équité, la diversité en Afrique? Puis favoriser les avortements en Afrique? On a-tu d'affaire à se mêler de ça? Non. OK. Non, je comprends très bien. La campagne, on va rester sur la campagne pour une question ou deux. Il y a eu la campagne de 2019-2021. Puis là, 2, 3, 4, 5. Pensez-vous que le budget va faire en sorte qu'il va avoir les élections bientôt ou s'il va avoir... J'ai pas besoin de finir ma phrase, je sens déjà la réponse. Est-ce que quelqu'un va le sauver à l'opposition de façon à ce qu'il puisse se rendre jusqu'en 2026? Bien, c'est octobre 2025 le maximum. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que j'ai dit 2026? Ouais, 2025. Faites-nous pas peur. Non, on est en 2024. Je croyais. Bon, Un an et quelques mois de souffrance. L'opposition n'aura pas le courage de faire tomber ce gouvernement. Lequel? Est-ce que le Bloc québécois va voter contre? Le NPD devrait voter pour. Que le Bloc vote pour ou contre, je pense que le Bloc a quasiment toujours voté pour le Parti en même temps. Pas mal appuyé, oui. Ouais. Mais là, même s'il votait contre, si le NPD s'entend avec le Bloc, dit « garde, vote contre, je vais voter pour », ça passe. Puis ça se peut qu'il y ait des absents qui vont voter et qui voteront pas, c'est-à-dire, tu sais, ça peut arriver dans l'opposition qu'ils seront être malades ou ils pourront pas voter. Ah, qu'ils se présentera pas. Enfin, ça arrive des fois, tu sais, des cas de COVID, là, des choses comme ça, tu sais, t'es malade, tu peux pas aller voter. Comme ça, tu n'as pas à répondre. OK. Donc, le budget passe, on sera en 2025. Oui, à moins d'une surprise majeure aujourd'hui ou demain. Mais hier, déjà, le NPD... Les chefs n'ont pas parlé. Ben non, exactement. Il y a Poilievre qui a dit qu'il était contre. Oui, le chef Poilievre s'est levé pour dire qu'on n'allait pas appuyer ce budget. Mais son tweet d'hier laisse entendre que si Trudeau respectait trois engagements, il allait peut-être considérer voter pour, dont un sur les logements, mais c'est quasiment ce qu'il y a dans le budget. Donc, ça, c'est déjà réglé. Puis les deux autres cases à cocher, la taxe de carbone, qui est juste sur une partie qu'il veut faire enlever. Peut-être Trudeau pourrait dire, OK, je vais enlever cette partie-là. Non, ça, je ne l'ai pas vu. Je pensais que pour l'IEF, c'était clair, la taxe carbone disparaît. Non, et pour l'ensemble du budget désastreux, merdeux qu'il y a eu, il y a trois critères majeurs pour lui pour ne pas faire passer le budget seulement. Puis il les a énoncés sur le Twitter. Ah! Alors, moi, être Trudeau, ça serait facile de dire, OK, je réponds à ça, quinte-oui. L'autre aurait l'air fou. Mais vous remarquerez que lors de la présentation du budget, pas lié à s'élever, mais les chefs de l'opposition, Jack Minsing et Blanchette, ils n'étaient pas là. Ils ont envoyé des porte-paroles qu'on connaissait pas. Donc, ça va voter pour. Oui, ça va passer. OK. Mais là, vous n'avez assez dit, M. Daniel, la question qui se pose. Il y a eu une élection il n'y a pas si longtemps. Vous n'aviez pas les 328? 338. Vous n'aviez pas 338 au Canada. Non. Et vous pensiez être capable de dire, on va en faire élire quelques-uns. Ça aurait pu être en Beauce, d'où vient le chef. Oui. Que ça aurait pu être Manitoba, un peu partout, Manitoba. Mad Max, en Alberta, il semblerait qu'il y avait une certaine popularité. J'ai suivi la campagne, c'est Canada, c'est chez nous. La question qui est facile. Vous n'aviez pas un ensemble. Vous avez une position, vous venez de le dire, là, c'est facile, elle est différente. Vraiment différente du Parti conservateur. Il y a sûrement une clientèle à ça et vous devez faire une percée quelque part. Ouais. Allez-vous avoir 338 candidats en octobre 2025? Oui, c'est notre travail actuel. D'ailleurs, nous sommes même aux périodes de recrutement, deuxième vague de candidats qui est en recrutement maintenant. Alors, vous pouvez aller voir sur le site Internet, devenir candidat. C'est quoi l'adresse du site Internet? Elle est compliquée parce qu'ils ont mis fr.thepeoplespartyofcanada.ca, mais avec le fr. Pour l'avoir en français. C'est The People's Party of Canada. Mais sinon, Parti populaire du Canada comme email. Alors, tout simplement. C'est pas vous qui êtes en charge du marketing et de la vente. Hein? Et voilà. On va y aller lentement. Ouais, ben, quelle est l'adresse du site Internet? The People. Ben,
En français, il y a deux, c'est parce qu'il y a deux adresses. Il y a oui. partipopulairedu-canada.ca. Partipopulairedu-canada.ca. Ça, c'est tout dans un mot. Ça, c'est tout dans un mot. .ca. .ca. OK. Et la deuxième adresse qui est utilisée, c'est, elle, c'est, on met le point FR au début, donc fr.thepeoplespartyofcanada.ca. On met le FR parce que pour les traductions. Ça, c'est pour en anglais, puis l'autre est en français. Non, ben en fait, Canada, c'est en français. C'est parce que c'est une nouvelle plateforme, un nouveau système. Okay. Mais c'est plus compliqué, je suis très d'accord avec vous. Ça aurait dû être pas mal plus simplifié, mais bon. C'est moi, je vais vous donner un conseil, OK? Parti populaire du Canada.ca. Ouais. Tu cliques là, puis là, c'est marqué français ou anglais. Oui. Puis tout ça. C'est déjà le cas, mais c'est déjà le cas. Mais en tout cas, technicalité. Mais sinon, par email, brisson@partipopulairedu-canada.ca. Rejoignez-moi par courriel. Ou okay. Vous me trouvez sur Facebook. J'essaie de vous aider. Là, je sais. Puis Daniel Brisson, Parti populaire du Canada, regardez, vous allez me trouver assez facilement. Ah, OK. Je le sais, vous êtes également sur Twitter, sur Facebook, sur pas mal de réseaux. Ça, c'est dit. On vient de régler le cas que le Parti populaire du Canada, dont vous êtes le lieutenant, vous êtes en train de faire la recherche d'un paquet de candidats. Une note là-dessus. Oh. On avait 311 candidats à la dernière élection. 311? Sur 338. Incroyable. Sur 338. Oui. Donc, sachez que il n'y a aucun parti qui a 338. Le pire, c'est que je suis content que vous souleviez le point. Ben oui. La plupart des partis, pour ne pas dire tous les partis, n'ont jamais 338. Mais c'est ça rare. Peut arriver. Mais... Ça peut arriver. Des fois, il y en a un, mais il y en a un, deux, trois, quatre qui quittent, cinq, six, peu importe. C'est ça. Donc, on est à peu près dans le 325 en moyenne, 327. OK. Donc mais 311, étiez... c'est assez pour prendre le pouvoir. Ben oui. Ben, okay. C'est ça. Okay. Si les gens décident de changer la face du monde et du Canada, oui. Ben, il vote PPC. Bon, ne serait-ce okay. qu'une personne qui serait là, imaginez, ça ferait paniquer. J'ai tellement raison. Mais des fois, je me dis, il y en a qui sont déjà au pouvoir puis qui disent, ah, c'est un bon parti, ça. Le Parti populaire du Canada, c'est un bon parti. Moi, je suis déjà élu. Je m'en vais avec le PPC. Ouais. Puis la personne vient du Parti conservateur ou Parti libéral ou peu importe le parti. Bon, avant de me répondre à ça... Ça vient de se passer, là. Au Québec, un élu de la coalition Avenir Québec vient d'annoncer que, bon, il quitte la politique provinciale et il vient d'accepter une offre où c'est lui qui a demandé. Ça, on ne le saura peut-être pas, parce que ça, c'est ce que j'appelle, moi, de la politique dansante. Peu importe. Et il sera candidat Parti conservateur du Canada. Exact. En deux volets, ma question. Un, que pensez-vous de ça? Deux, est-ce que le Parti populaire du Canada accepterait un transfuge? Là, d'abord, on parle de quelqu'un qui part du provincial vers le fédéral, un parti provincial vers le fédéral, donc c'est Lefebvre, qui s'en va avec les conservateurs. C'est drôle parce qu'il était whip en chef de la coalition du Québec gouvernement. C'est quand même un gros morceau, OK? Et c'était une surprise. J'ai vu les réactions hier. C'était assez inattendu. Mettons que... s'attendait pas à ça du tout, carrément. Et puis, ben là, il était accepté, OK. Là, c'est drôle parce que des gens qui supportaient Poilievre comme le défenseur des droits et libertés se ramassent avec quelqu'un, un des premiers transfuges, justement, se ramassent avec quelqu'un qui était pour les mesures. C'est assez intéressant, merci. Mais pour rien inclus, d'ailleurs, beaucoup de gens au Parti conservateur du Canada étaient pour les mesures totalitaires sanitaires. Ça, il n'y a pas de... C'était pas dur. Ils ont voté pour la part des mesures. Et là, donc, quelqu'un de la CAQ qui s'en va vers le Parti conservateur du Canada, c'est normal. Quand on connaît le domaine, vous avez dit, j'ai fait de la course à la chefferie au Parti conservateur du Québec, mais il y avait du conservateur canadien aussi en dedans, mais il y avait des gens de caquistes aussi qui s'en sont mêlés. D'ailleurs, une ancienne candidate caquiste qui s'est présentée pour le PCQ. Donc, vous voyez, les transfus, il y en a à gauche, à droite, partout, actuellement. Donc, je suis pas surpris que ça arrive. Je m'attendais à Youri Chassin, un autre. À Saint-Jérôme? Ben oui, il est allé à un congrès. C'est pas, on appelle ça, c'est un conservative group, quelque chose de même. C'est pas le parti qui l'organise, mais il était là. Donc, il a rencontré. Il pourrait être le prochain à quitter. Je n'en serais pas surpris. Gars de la droite économique, supposément, mais encore là, sous la CAQ, se sont tués carrément. Puis, ils ont eu un des pires budgets de l'histoire. Alors, allô, la droite économique, hein, au Québec. On va oublier ça. Poilievre a sorti une cassette pour expliquer comment que ça s'est passé. Pas de réponse, justement, qui a approché l'autre. Là, ils disent que ah, ben, ça, c'est Lefebvre qui m'a approché, puis je l'ai écouté.
Mais si c'est le cas, ça veut dire que le whip en chef, il a fait des démarches pendant qu'il était whip en chef de la CAQ pour quitter ce poste-là, pour aller ailleurs. En tout cas, ça risque d'être intéressant, ce dossier-là. C'est à suivre. Je dirais qu'il faudrait porter... Les médias devraient porter attention. Non, moi, c'est juste ça, pour savoir votre position là-dessus, mais la deuxième partie de la question, la deuxième partie, vous autres... Quand je dis « vous autres », le parti, je vais respecter l'idée de, du Parti populaire du Canada, dit quelqu'un au hasard. Je peux vous dire tout de suite que ce ne sera pas quelqu'un du NPD qui va s'en aller vers le Parti populaire du Canada. Mais peut-être le Parti conservateur. Ben, quelqu'un qui est un vrai NPD à la Ed Broadbent, s'il en reste, ou Jack Layton, pourrait venir au Parti populaire du Canada parce que... Tu sais, on est pour la classe moyenne aussi, réduire les taxes et impôts, les libertés, les, le freedom, là, c'est pour tout le monde. OK, la porte est ouverte, vous. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas de loi contre cela actuellement. Personnellement, j'aurais aimé mieux qu'il y ait une loi pour éviter les lives d'un niveau à l'autre. Au fédéral, rappelez-vous, Belinda Stronach, qui avait traversé la Chambre, avait quitté le Parti conservateur du Canada pour aller aider les libéraux de Paul Martin. Il y avait ça à l'époque aussi. Et ça avait changé, ça avait permis au gouvernement de continuer puis empêcher un vote. Tu sais, ça s'était fait, ça. Donc, la porte est ouverte. Il y a eu quelques contacts au Parti populaire du Canada avec des personnes, mais ils préfèrent rester dans le pantoufle. C'est plus confortable. Et il y en a plusieurs qui ont parlé de Leslyn Lewis, par exemple. Et oui, il y a eu des communications. Ils se connaissent, c'est sûr, les gens, on se connaît là-dedans. Mais la porte est ouverte, mais... le courage et les convictions. Ah, ça manque un petit peu. Et, tu sais, vous l'avez dit, les sondages sont très bons pour le Parti conservateur du Canada. Ça attire, hein? C'est comme un aimant. Aimant à mouche, là. Oui, c'est ça, ça attire toutes sortes d'affaires. Ouais, Il y en a qui changent un peu de conviction, hein? Avec, les quoi? De conviction, quand tu regardes les sondages, tu dis, OK, je pense que... Ça prend le bord vite. Donc, on va vers une place qui est plus sûre d'être élu. Et c'est le cas, probablement, du gars de la CAQ. Donc, c'est fait, c'est réglé. Hein? Lui, c'est fait, c'est réglé. Les deux se sont prononcés. Il bouge. Donc, le whip en chef de la CAQ, va y arriver quoi? Là, c'est une opinion. Il va y arriver quoi, là, lui? Lui, là, demain matin, il fait toc-toc-toc dans le bureau du premier ministre. Le premier ministre ne le regarde plus bien. Non, mais là, il est déjà indépendant. Sur son compte Twitter, il a déjà effacé son rôle. Il est maintenant député indépendant. Ah, bien, vous êtes plus un avancé. Pour le moment. OK, celle-là, je ne l'avais pas vue. Bon, étant donné que là, on parle du fédéral, au fédéral, il arrive différentes choses, dont Justin Trudeau, qui est là, on va en parler du budget un peu plus tard, mais il est là depuis déjà presque 10 ans. Et leur position au fédéral est claire. C'est le plus beau pays au monde. Donc, c'est important de vérifier ce qui se passe dans différentes provinces. Je ne parlerai pas de l'Alberta qui, elle, a des idées fixes. Je trouve que cette première ministre-là est vraiment une bonne défendresse de sa province en Alberta, tout en étant canadienne. Au Québec, il y a une popularité qui est en train de reprendre surface, parce que ça a déjà été au pouvoir pendant quelques années, le Parti québécois. Ouais. On l'appelle PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mm-hmm. Et selon les sondages, mais là, je parle de sondages, je ne parle même pas de sondages, je ne fais que voir, constater et une tendance et très quand on rencontre les gens. Il y a une déception concernant la coalition Avenir Québec. Et voilà. Le Parti libéral a de la misère à savoir sur quel pied danser. Ils étaient habitués de danser le tango, eux autres. Mais là, ils ne dansent plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'ont même pas de chef encore. Ils n'ont pas de chef. C'est un député ici de Montréal qui est chef intérimaire. Il n'est pas mauvais, d'ailleurs. C'est quoi la position de la PPC ou du lieutenant au Québec du Parti populaire du Canada concernant le PQ qui prend une envolée et le chef le dit clairement depuis déjà 2-3 jours, il va y avoir un référendum au Québec concernant l'indépendance. Comment est-ce que vous regardez la situation? Ben, on n'est pas surpris. Parce que vous avez besoin de vote au Québec. Bien, on n'est pas surpris de la montée du PQ au Québec parce qu'il n'y a pas vraiment d'offre politique solide pour un projet de société. Ça chicane pour des niaiseries. On n'est pas capable de faire un pont, puis on a peur d'une éclipse au Québec, ça donne une idée. Mais vous avez Trudeau, justement, qui démolit le Canada, qui ne respecte pas les provinces.
Et bien, comme Trudeau père, il y avait René Lévesque à l'époque qui avait un penchant, donc la réaction à Trudeau, c'était la montée du souverainisme. Je comprends que c'est plus compliqué que ça, l'indépendance du Québec, il y a une histoire derrière cela, mais il y a une montée du PQ naturelle. Et la dernière élection qu'il y a eu partielle dans Jean Talon, c'est à partir de là. Les gens l'ignorent, les observateurs qui ont analysé ça un peu, ceux qui étaient au courant un petit peu, on a vu quelque chose. 600 à 700 bénévoles dans le comté pour les aider. Ça, c'est énorme. Et surtout, et c'est tout à l'honneur de Paul Saint-Pierre-Plamondon et de son équipe, c'est pas parce que c'est un comté libéral qu'on fera pas les efforts pour le gagner. Versus le Parti conservateur du Québec qui a dit « On n'a pas de chance de gagner, mais on présente quelqu'un. » Eux autres, ils ont dit, le PQ a dit « Non, non, on y va, nous autres, puis on va tout faire pour gagner, offrir une offre, le Parti libéral dans des bandades. » 600-700 bénévoles, les gens n'ont aucune idée, les gens qui ne sont pas impliqués, ils n'ont aucune idée ce que ça représente de ramasser 600-700 bénévoles pour un comté. C'est une force incroyable, un mouvement. Et, ben oui, ça a porté fruit. Ils ont battu une députée caquiste, justement. Hein, donc, c'est pas si libéral, caquiste. Donc, voilà le PQ. Honnêtement, là, ce que je viens d'entendre là, je l'ai vérifié. Non seulement c'était libéral, il appelait ça Châteaufort. Châteaufort libéral. Châteaufort. Et moi, je m'amuse à faire des prédictions ici, hein, à Lux Media. On a beaucoup de plaisir entre les animateurs, on fait des gageures. Et là, on dit qu'est-ce qui va arriver. Puis moi, j'avais dit Jean Talon, on ne peut pas bouger. Il va aller jusqu'à CAQ. Il ne peut pas. C'est un Châteaufort libéral. Voilà. J'ai dit, ça ne peut pas. Hey, je l'ai. Mais c'est correct. Mais c'était pas mauvais comme analyse à la base. C'est un château fort libéral. Ils sont en totale débandade. Ils ont craché sur le peuple canadien français. Ils ont traité les Québécois de racistes. Hein, c'est quoi la position de la PPC concernant? Parce que là, tu y reviens. La pandémie, là, la grippe chinoise, ouais. Le masque, quelle est la position du PPC? Est-ce que c'est... ça n'aurait pas dû avoir lieu et il y aurait dû avoir plus de vérifications sur les études scientifiques ou, bien, c'était comme ça et il faut vivre avec. Non, on était les pires, puis le Québec particulièrement. Il y avait d'autres modèles qui existaient. Fermer l'économie, c'était stupide. Et pour un virus qui, finalement, on l'a vu, la mortalité, c'était pas du tout ce qu'il disait. Les études scientifiques en question, Santé Canada, c'est un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'il prenait une étude d'une pharmaceutique, puis il disait, voici, c'est ça, ou de la CDC, ou de la V, puis il lisait l'étude, puis il approuvait l'étude, mais il la contestait pas. Il n'était pas là-dedans. Thérèse Tam, d'ailleurs, était du conseil d'administration de l'OMS. Alors, c'est allô l'intégrité de l'indépendance. Les histoires d'injection, ben, on l'a vu, c'est quoi que ça a fait, hein, la thérapie génique. C'était une crise politique. Et nous autres, on n'aurait pas fermé le pays. Et ça, c'est ce que je reproche au PQ et tout le reste de l'opposition absente. Avoir un pays, aller vers un pays libre, vous êtes un pays libre, mais vous avez voulu imposer des mesures, vous étiez content des mesures sanitaires, ben ça n'a pas de sens. Et ce que je viens de voir, je ne sais pas s'il y avait une question là-dessus, mais le traité de l'OMS, peut-être, je ne sais pas s'il y avait une question là-dessus, mais clairement, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Je m'en viens, là. On va y aller tout de suite. On y va. OK. Sur l'OMS, là. Ouais. Pour ceux qui suivent un peu ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui veut prendre de plus en plus de pouvoir sur les prises de décision en cas de... Pandémie, ou peu importe ce qui pourrait être considéré comme état mondial, là, ils prennent le dessus sur tous les pays. C'est eux qui vont gérer la définition de pandémie. Et voilà, la décision est prise à leur niveau et ils l'imposent. Voilà. C'est quoi la position du PPC, de M. Bernier et de M. Brisson sur ça? Ça sera pas dur. Totalement contre. Opposé. Est-ce que c'est là que tu disais on va sortir de l'OMS? Ah oui. On va arrêter de financer ça. Il va y avoir plusieurs pays qui sortent ça? Bien, Donald Trump l'avait fait. Oui. Il avait sorti ça. Oui, mais Donald Trump, c'était une autre classe. Oui, mais peu importe, il l'avait fait, donc ça se fait. OK. Ça se fait. Ah, ben oui, ça se fait, certain. Mais il faut avoir des couilles de le faire, puis le courage de le faire. OK. Hein? Puis de le dire, surtout. Hein? Okay. Parce que là, les médias, eux autres, vous comprenez, la cabale des médias va partir. Bien, les médias subventionnés. Exactement. Donc là, oui, il faut dire non. Ça, mais là, on s'entend, là, on est en 2024.
mai arrive, mois de mai arrive, là, il va être signé le traité, puis le Canada est déjà bien embarqué dedans. Cependant, deux choses. Premièrement, c'est révocable. Donc, n'importe quelle autre partie qui est élue peut renier l'accord. Comme l'accord de Paris sur le climat du GIEC, hein, on peut tout dire non, c'est de la merde. Même affaire. On va sauver bien d'argent là-dedans. Et en plus, vous avez donc le traité de l'OMS qui va être signé. C'est bientôt, là. Bientôt, mais il y a un mais. Non, mais s'il est signé et le Canada est membre... Bon, c'est pas si automatique que ça non plus. Ah. Je l'ai lu sur la page du gouvernement du Canada. Ce qui dérange l'OMS, ça les écœure, c'est qu'ils sont quand même obligés de respecter les lois parlementaires qui viennent avec. Il faut que ça soit voté au Parlement. Mais ils n'ont pas changé ça. J'ai lu le programme. Il y a des petites choses. Et là, ce que j'ai compris, c'est qu'ils... ils vont devoir changer plusieurs petites lois au Canada. Bon, pas juste une. C'est ça. Et donc, c'est là qu'il va falloir... ça va être très difficile d'être attentif à tous ces petits changements-là. À chaque fois qu'il y a des lois qui changent par rapport à la santé, il va falloir les regarder. OK. On va laisser ça, ce sujet-là... Non, on va laisser ce sujet-là après ma prochaine question. OK. On vient de passer une grippe chinoise de 2020 à 2022, ou presque... sans avoir l'ordre que l'OMS prenait le contrôle total en cas de pandémie. Exact. Le Canada a suivi à quatre pattes. Il n'y a aucune chose... D'ailleurs, si le moindrement quelqu'un disait la distanciation sociale n'est pas vraiment quelque chose d'important, le premier ministre faisait juste dire que tu étais raciste, misogyne, peu importe le terme, extrémiste. Blanc. Sans avoir encore... ce que l'OMS présente cette année. Mm-hmm. Fait que répétez-moi sans rire que ils changeront pas certaines lois au Canada pour que ça aille très bien avec l'OMS. C'est sûr que le gouvernement Trudeau actuel, peut-être qu'il a déjà fait une couple de lois qu'on n'a pas vu passer, des petits changements à gauche, à droite. Ils vont tenter de le faire pour s'accommoder. Comme je l'ai dit, Thérèse Tam est là-dedans, le comité, puis d'autres docteurs du Canada, hein, qui sont là-dessus aussi, qui travaillent sur ce comité-là, là, hein, pour l'arrimage entre l'OMS et le Canada. C'est bien dit, ça, là. L'arrimage. Ah, okay. Ouais, ouais, okay. Donc, vous prévoyez que, oui... Mais ça peut se défaire, c'est ce qu'il faut se rappeler. Et tout ne sera pas fait, même si le traité est signé, c'est pas tout automatique en vigueur. Ça, c'est plus difficile. Il y a un délai. OK, est-ce que le délai va plus loin que les élections de 2025 au Canada? Ça peut, parce que là, il y a plusieurs priorités de projets de loi à changer. Mais il va falloir, c'est là qu'il va falloir voir les priorités dans les projets de loi qui vont passer. Quelle sera la priorité à passer? Donc, oui, c'est un risque. Et l'opposition va devoir jouer un rôle. Bon, je sais qu'ils n'ont pas joué de rôle, là. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on est là, le PPC, voyez-vous. Si on n'était pas là... Mais vous êtes un besoin. Le Canada a besoin d'un parti, de plusieurs partis, dont un qui explique ou, en fait, qui prend position, pas nécessairement automatiquement avec le gouvernement, ou qui pose des questions puis qui propose du changement. Je n'ai jamais rien eu contre ça. Non, mais si ça a du sens, on appuierait. Si ça n'a pas de sens, on va dire non. C'est tout. C'est simple. Ça a du sens? Oui, OK. M. Bernier, il est en campagne encore partout au Canada, là, tout le temps. Il va l'être jusqu'en 2025. Il n'arrête pas, lui. Non, il n'arrête pas. Il se promène. Il y a des rendez-vous des fois en Ontario, puis des fois au Manitoba. Alors, en Alberta, c'est gros, le Canada. Les gens ne réalisent pas ça, là, mais le Canada, c'est gros en tabarnouche. Là. C'est un grand pays. Tournée des Maritimes, peut-être, au Savoir. Le Québec, on fait plusieurs interventions à gauche à droite. Il y a la cabane à sucre. D'ailleurs, demain, au moment où on enregistre, c'est le vendredi à Saint-André-d'Argenteuil, cabane à sucre. Demain, c'est... Le vendredi, vendredi le 19. Ou ce soir, tout dépendant de ça. Ça, c'est pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. L'émission est diffusée vendredi 19h. Pour ceux qui écoutent l'émission Lux Media, la cabane à sucre, c'est demain. Et voilà, Saint-André d'Argenteuil. Et dimanche, on va être à Saint-Adèle avec Maxime. C'est les découvreurs du Nouveau Monde. C'est un groupe de gens, des citoyens qui se rassemblent et qui ont des invités. Tout simplement, Saint-Adèle, c'est à la chapelle Saint-Adèle. Je ne connais pas l'endroit, ça va être la première fois que j'y vais. Mais tout simplement, Maxime va parler, va répondre à des questions. Les gens vont pouvoir le voir. Donc, Saint-Adèle, c'est dimanche, voyez? Donc, c'est les découvertes dimanche qui s'en vient. À Saint-Adèle. À Saint-Adèle. À Petite-Chapelle. À Petite-Chapelle. Ah, je pense qu'il y avait de la musique, là. Il y avait des... Je sais pas. Il paraît que c'est beau. Mais bref, donc, vous voyez, on est actifs, on bouge sur le terrain, plusieurs activités, et on va poursuivre notre travail là-dessus pour être présent et visible partout. Mais on a beaucoup de choses à voir, mais
juste finir sur le traité de l'OMS, parce que là, le traité de l'OMS, nous, on est au courant. Si vous posez une question Vox Pop dans la rue à des gens ici à Montréal, qu'est-ce que vous pensez du traité de l'OMS? Ça se peut qu'ils vous disent « Hein? De quoi vous parlez? » C'est pour ça qu'il faut informer les gens. Alors, les médias indépendants, Lux Media, FNL et tous les autres, que ce soit Samagrini, peu importe, les blogueurs, sont très, très, très importants. Tout ce qui est médias indépendants est actuellement important. En fait, le rôle des médias indépendants, c'est effectivement de faire en sorte de remplir les trous que les médias traditionnels... Ils font plus, parce qu'ils sont payés. Ils ne sont plus indépendants, eux. Okay. Ils dépendent des subventions. Mais là, à l'instant, au moment où on se parle, j'ai reçu ça... U.S. Government Global Health Security Strategy 2024. Alors, c'est une stratégie de santé globale de sécurité... Américaine, Washington. Ça vient de la Maison-Blanche direct. Okay. Signé par la Maison-Blanche. Et ça, c'est plus dangereux que le traité de l'OMS. Pourquoi? Parce que c'est un cadre législatif direct imposé sur la plus grande puissance mondiale. Et j'ai commencé à lire, j'ai pas tous les détails, mais juste pour vous dire, là... Le premier impact, le cadre législatif, regardez ce que ça va comprendre. Armes biologiques, accord de Paris, c'est dedans, hein? Sécurité, santé, accord de Paris, qu'est-ce que ça fout là? Pandémie anticipée. Ah ouais, une pandémie anticipée, toi, une autre planifiée, quoi. Et biologie, environnement et des menaces pandémiques. Ça, c'est le cadre législatif. Donc, ça a énormément de pouvoir et la préparation pour répondre à ça, incluant comment répondre avec la diversité et l'inclusivité. Avec ça. Vous voyez, là, ça, c'est... Il y a un mètre large, là. Et c'est très dangereux. Est-ce que ça serait relié, selon vous, avec les élections américaines qui s'en viennent? Voilà. Ah, OK. Et là, c'est le risque que je vois avec l'élection américaine. La seule raison que Donald Trump ne gagnerait pas actuellement... Ça serait une suspension pour raison de guerre ou peut-être de pandémie, je ne sais pas. Une emergency act, hein? Un état d'urgence. Mais vous venez de me dire que c'est marqué une pandémie anticipée. C'est intéressant, hein? C'est intéressant comme mot, ça. Anticiper, prévoir c'est à l'avance. C'est écrit dedans. Oui. Non, mais tu sais, OK, je ne veux pas qu'on pousse pour passer pour des... Des complotistes. C'est quoi que le premier ministre du Canada a dit? Misogynes. Ah, des misogynes. Ou des racistes. J'ai jamais compris comment est-ce qu'il peut arriver avec ces termes-là en fonction c'est peut-être la projection qu'il faisait. C'est le seul premier ministre avec un blackface en passant. Je n'ose pas aller plus loin. C'est mon opinion, je la partage. Ben oui, ça me fait plaisir que vous partagiez votre opinion. Vous avez la tribune pour le faire. Avant de parler du budget, bon, le budget, j'ai quelques questions, je vais avoir la position sur vous et sur le parti PPC. Là, avant d'entrer dessus, il y a un projet de loi qui vient de sortir, là, le projet de loi numéro 57. Ah, celui-là. Au cas où il y a des citoyens qui sont problématiques, là, on descend au niveau du Québec. Parce que j'ai dit, avant d'arriver au fédéral de front, je pense que le fédéral va déjà en passer une quasi identique, sinon pire. C'est au Québec, la CAQ vient de passer un projet de loi qu'on appelle le 57. Il est déposé. Ah, OK, vous savez c'est lequel. Mais juste pour leur dire à tout le monde, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu le projet de loi 50 aussi. OK, c'est pas le 50, c'est le 57. C'est 57. Pour les citoyens problématiques qui oseraient dire que Daniel Brisson y est élu, puis que moi, je me permets de dire Daniel Brisson, c'est tata. Oui. Bon. Intimidation. Ben 1500 piastres d'amende. OK, je ne suis pas le seul qui le connaît. Je vais avoir ça, là. Une loi, on peut abroger une loi. Oui. On peut modifier une loi. Mm-hmm. On peut ajuster une loi. On peut faire bien des choses. Au niveau fédéral, elle va être comparable. Il va arriver quoi si le PPC prend le pouvoir? Puis là, il dit, on est pogné avec une loi qui fait qu'il n'y a plus personne qui a le droit de parler nulle part sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus le droit d'aller. Ouais. Ça va loin, là, celle au Québec. Pendant les séances de conseil municipal. Oui, aussi. Oui. Vous allez pouvoir sortir des indésirables. Là, c'est écrit dedans. Là. Vous pouvez sortir quelqu'un qui pose peut-être d'autres questions fatigantes. C'est ça. C'est-tu le terme indésirable? Je pense que c'est ça. Mais il parlait de citoyens problématiques. Ouais, citoyen problématique, pour être, c'est large, hein? Oui, pour être poli. C'est quoi votre position là-dessus? Bien, totalement contre. Là. Je veux dire, être élu au Québec, bien sûr que je dirais, on abroge, on annule cette loi-là.
Là, il y en a qui parlent de protéger les élus municipaux qui démissionnent, burn-out, puis qui ont des menaces. Oui. Donc, est-ce qu'elle serait abrogée ou modifiée, peut-être, pour le dossier ou vraiment? Parce que là, il y a trop de flou dans cette loi-là actuellement. Okay. C'est le problème. OK. C-63 au fédéral. Le C, c'est pour Canada, donc C-63. C pour Chambre des communes. Chambre des communes. Ah, merci. Moi, je mettais C. C, Chambre des communes. S pour le Sénat. S, voilà, Sénat. Merci de la correction. C-63. Elle, faudrait la modifier, non pas l'abroger. Pourquoi? Parce qu'elle a une partie pour protéger les enfants des pédophiles. Puis il n'y a personne qui est contre ça, mais nous autres, on veut même les enfermer, les pédophiles. Là, puis les peines peut-être plus sévères, ça, je suis en faveur de ça. Donc, à la base, C-63, c'était pour protéger les enfants qui disaient sur Internet, mais là, ils l'ont étendu beaucoup plus loin que ça. Donc, toute la deuxième partie, tout ce qu'il y a deuxième partie, je dirais, ça, on biffe ça, on le raye ça, on l'enlève. Parce que c'est pour faire taire des blogueurs, faire taire des gens qui vont parler, il faut le dire clairement, en plus des autres projets de loi qu'il y a. C'est la 57 au fédéral, autrement. C'est ça. C'est tout pareil. Et là, on voit que tout ce qui est opposition, tout ce qui est, moi, je veux dire, des personnes qui vont... Qui vont discuter un peu plus sévèrement. Vous ne pourrez pas hausser le ton. Hein? Vous allez au conseil de ville. Voyons, monsieur le maire, ça n'a pas d'allure, ça. Là, punition. Ah oui, on s'en va vers ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, on s'en va. Hey, vous n'êtes pas poli, là. Ah, si vous savez, on va vous sortir, là. Non, non, mais là, on s'en va vers un discours de niaisage de même. Autrement dit, de garderie, là. T'écoutes ce que je dis, puis tais-toi. Pis si tu t'opposes, pose ta question poliment, puis ça a beau te faire chier, mais tu n'as pas le droit de te fâcher. Ah, mais c'est ça. OK. OK. Excusez, je dis des gros mots. Non, c'est correct. Ça s'appelle la réalité. On va aller avec l'avant-dernière. L'avant-dernier sujet. Le budget, il est sorti. Je vais vous poser les questions. On y va vite. En rafale, voir votre position là-dessus. Incroyable, 41 milliards de déficit. Où est-ce qu'il aurait pu sauver? Bien, les programmes internationaux, et en regardant le détail du budget, il y avait encore près d'un milliard sur l'Ukraine, le Moyen-Orient et ça, ça m'a surpris, l'Indo-Pacifique. Ah? Bien, je n'ai parlé. En fait, OK, oui. Y a-t-il une guerre là-bas? Ben oui. Ben, en fait, c'est une préparation. Ah, Indo-Pacifique, okay, hein? Ben on sait de quoi on parle. Là. Ben oui, ben oui. Donc, il y a de l'argent là-dedans. Toujours les programmes. Je rappelle qu'on a des programmes... aussi, qui s'en vont à toutes sortes de programmes niaiseux, d'inclusivité, équité, OK, il y a beaucoup d'argent à sauver là-dessus. Là, Tous ces programmes de niaisage, là, reliés à l'ONU, là, puis liés à l'agenda 2030, là. Tu coupes tout ça là-dedans, tu vas sauver de l'argent en masse, là. OK, donc, il y a eu, mettons, je vais y aller poliment pour pas aller, pas passer pour un citoyen problématique. Il y a des choses qui auraient pu être retirées. Bon OK. C'est quand la question, un journaliste pose. Ou si vous couperiez, vous, M. Brisson, là, tu donnes la liste. Hey, tabarnouche, je change la question vite dans ce temps-là. Non, moi, je n'ai pas l'intention d'aller plus loin. Non, je veux dire, non, mais je parle de des grands médias d'habitude. Parce que même, je vais aller plus loin. Il prévoit, le gouvernement du Canada, il prévoit revenir à l'équilibre budgétaire. Ouais, vous n'avez pas de l'air à y croire. Moi, j'ai préparé des bonnes questions. Puis là, vas-y. Pour l'année 2028-2029, est-ce que Justin Trudeau va faire en sorte que l'équilibre budgétaire va revenir au Canada s'il est réélu? Parce que là, on parle... C'est facile de faire une promesse quand tu seras peut-être plus là. Voilà. Okay. L'élection, c'est 2025 maximum, octobre 2025. C'est ça. Et selon lui, 2028... Ouais. Okay. Mais c'est pas lui qui va avoir la charge. Parce que s'il perd... C'est les conservateurs de Polyam, maintenant, qui vont ramasser le pot cassé, c'est que le dire, il va être pété, là. Oui. Effectivement, oui, oui. Mais on va voir tout de suite l'excuse. L'ancien premier ministre a fait ça, on ne pourra pas l'atteindre. Mais il pourrait être atteint s'il coupe des endroits qu'ils veulent couper. Tu sais, il faut couper un moment donné quelque part. Tu ne pourras pas maintenir tout ça. On parle de taxe de carbone. Là, c'est une autre différence. Est-ce que Pierre Poilievre va assumer le fait que s'il coupe la taxe de carbone, telle qu'elle est gérée actuellement, bien, il va clairer 465 employés du fédéral qui ont été engagés pour la gérer. Si on veut couper, là. Tu sais, on va couper, là. Mais lui, il l'a dit qu'il la couperait. Ah ouais, donc, il faut qu'il coupe les employés qui viennent avec, les salaires. Si t'es conséquent avec toi-même, si t'es conservateur. Si il est conséquent, M. Poilievre a dit on coupe la taxe carbone, donc il y a 460 personnes. Le bureau de la taxe carbone vient de prendre le bord. Voilà. OK. Ben, c'est un très bon point, parce que c'est à vérifier. La campagne a...
C'est un budget préélectoral. Fait que électoraliste. Tôt ou tard, il va y avoir les élections là, d'ici 2025. Ouais. Mais probablement pas avant octobre 2025, la deuxième semaine. À moins que ça tombe. Parce que si jamais il a fait une semaine plus vite... Ah oui, fonds de pension. Ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu la politique. Là, il y a petite nuance. Hein? Il y a une petite nuance entre le 21 et le 27. C'est pas compliqué. Tout le monde a le droit à sa pension. C'est ça. Ou tu n'as pas le droit à sa pension. C'est pour ça, ceux qui veulent connaître le dossier, on en reparlera peut-être à un moment donné. Moi, j'ai d'autres questions avec le budget. Est-ce que la dette publique canadienne vous fait peur? Ben absolument. C'est une honte. Comment est-ce que... OK. Au-dessus d'un trillion, est rendu un billion, là, mais on peut-tu renverser ça? 1300 millions, oui. Là, la question, le PPC, peux-tu dire, regarde, on a 1300 milliards de dettes. Non. Nous autres, on veut changer ça, là. Le sens, c'est pas bon, on n'est pas dans le bon sens, on va changer de sens. Comment? Ben voilà, on a sur notre plateforme, allez voir partipopulairedu-canada.ca, plateforme, finances publiques, c'est assez clair. Et vous avez des propositions. Mais là, on est obligé de l'updater suite au dernier budget merdeux qu'il y a eu, parce que ça tenait plus la route, parce que c'est un dégât actuellement. Ça se fera pas en un an. C'est impossible. Ben après, ça va prendre le premier mandat d'un PPC, ça va être les corrections puis les coupes des affaires inutiles que le fédéral n'a pas d'affaires, puis que c'est pas ses compétences. Hein? On va se retirer de là, premièrement. Donc, on va couper à des endroits rapidement. L'équilibre budgétaire, d'abord, revenir à un équilibre budgétaire commencé. Et la dette, là, c'est l'intérêt, là. Ce qu'on n'a pas parlé beaucoup avec ce budget-là, c'est l'intérêt de la dette, 54 milliards. Mm-hmm. Trudeau a doublé l'intérêt de la dette. Il était à 24 milliards là, un an ou deux. Avec le taux d'intérêt puis le taux d'intérêt qui a monté. Bien là, le taux d'intérêt a monté et avec le déficit qui vient de s'ajouter. Voilà. Oui. Donc ça, vous voyez, l'irresponsabilité de ces budgets-là est causée par la pandémie aussi. Hein? On a mis beaucoup d'argent là-dedans. Vous voyez, tout l'impact qu'il y a d'avoir tué notre économie, de nous avoir endettés, surendettés. Les taux d'intérêt. Comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer, là? Oui, mais on n'a pas le choix, il va y avoir des coupes, mais il va falloir balancer le budget rapidement. Il ne se balancera pas tout seul, comme le premier ministre avait dit. Ah, non, ça ne se fera pas. Justin Trudeau avait dit que ça se balançait tout seul. Oui, bon, on voit que ça ne marche pas. Donc, il y a des décisions difficiles à avoir et il va y avoir des choix, puis il va falloir le faire. Et relancer l'économie. Relancer l'économie, je dis bien relancer l'économie, on s'en va en récession. OK. La taxe sur le tabac, vous n'êtes pas contre? Vous feriez probablement pareil, ça va rapporter alentour de... L'avantage et l'inconvénient, c'est chiant. Ils disent pas combien ça va... C'est le seul point où ils disent pas combien est-ce que ça va rapporter, mais ça va être de 4 $ de plus pour un carton. Le Québec l'a fait, d'ailleurs, la province de Québec l'a fait aussi, dans son dernier budget. Il s'ajuste assez vite. Mais moi, ce que je trouve déplorable, on se fie là-dessus pour balancer des budgets. C'est hypocrite. Le seul avantage qu'il y a avec la taxe, c'est que les gens qui pensaient arrêter de fumer, bien, voilà une bonne occasion d'arrêter de fumer. Ah oui, oui, c'est vrai. D'une motivation. Voulez-vous encore payer pour Trudeau et ses niaiseries? Non, arrêtez de fumer maintenant. Bien là, ils vont avoir des baisses de taxes. C'est ça, mais on s'entend. 1,49 $ de plus en taxe. Non, ça n'a pas de sens. Et, tu sais, on parle de coupures. Tous les projets d'infrastructure, le REM, le tramway de Québec, tout ça, bien, le fédéral, on sort de là, on enlève tous les fonds de là. C'est facile à couper. Hein? On en trouve l'argent. Tout ce qui n'appartient pas à la compétence fédérale. C'est vraiment une cure minceur. Cure minceur, décentralisation extrême, retour à l'autonomie des provinces. Et tel que la Constitution le prévoit. Ben oui. Et le gouvernement canadien va utiliser les taxes fédérales à quel endroit pour aider l'armée? Ben, il va rester l'armée, la défense, protection du territoire, puis sûrement faire respecter certaines normes environnementales qu'on doit avoir. Et un statut, tout ce qui est statut fédéral. Ben oui, tout ce qui est dans nos compétences, champ de juridiction, les chemins de fer, c'est compétences fédérales. Les ponts. Ben, certains ponts, ça dépend pas le pont Jacques-Cartier. Pas le pont Jacques-Cartier, mais le pont Champlain l'été. À Québec, le pont de Québec, c'est fédéral, puis il y a un chemin de fer dessus. Le pont de la Porte, c'est provincial. Le fleuve Saint-Laurent est juridiction fédérale une partie, provinciale de l'autre. Vous voyez? OK. Donc, le PPC a vraiment
une ambition totalement différente de ce qui existe dans peu importe le parti actuel. Totalement différente des vieux partis existants. Ben, okay. Il est temps qu'on ramène le Canada sur le bon sens. C'est quoi l'adresse du site Internet pour ceux qui veulent aller voir? C'est Parti populaire du Canada. Partipopulairedu Canada.ca. Rien que d'un mot, hein? Partipopulairedu Canada.ca. Je n'ai pas fini avec mes questions. Ben j'en ai un autre. Le gouvernement entend réaliser des économies dans la fonction publique grâce à l'attrition naturelle. Oui, 5 000 postes. OK. Pensez-vous que 5 000 postes va changer quoi que ce soit? Ben non, parce qu'on grossit l'appareil public, en fait. Et j'ai donné l'exemple de la taxe de carbone. Pour gérer cette taxe de carbone-là, Trudeau en engage d'autres. Donc, il va en avoir 5 000 par attrition qui vont disparaître, mais il en engage d'autres de l'autre bord. Donc, tant qu'on ne réduit pas, puis tant qu'on ne sort pas de ces folies-là d'ajouter des programmes, à chaque fois que vous ajoutez un programme, vous avez des nouveaux employés. Moi, c'est drôle. Je vous donne une chance. Là, on achève. Il nous reste 5-10 minutes. Je vous ai donné une chance, mais là, je vais y aller direct. Connaissez-vous ça, l'Argentine? Oui. Javier? Milei. Lui, il opère. Lui, il se promène avec une tronçonneuse, il fait une campagne électorale. Ouais. Tous les médias, ils ont dit, c'est un fou, c'est un maniaque, le gars, là, ça se peut pas, c'est en train de faire. Et la seule chose qu'il a dans la tête, c'est « t'es de wow ». Puis là, il sort à peu près 8 ministères du gouvernement. Pendant sa campagne électorale, il est sur le tableau. Oui. Il est en... Bon. Ça tente pas, Bernier, de faire ça? Oui. L'autre question que j'avais, on est en train de vérifier, est-ce que Javier a fait ce qu'il disait? Moi, je peux vous dire tout de suite que je suis... Moi, je ne suis pas énormément de dossiers. Quand j'en suis un, je le suis correctement. Je peux vous dire qu'actuellement, en Argentine, ça a vraiment, vraiment viré de bord. Oui. En moins de 6 mois. Donc, c'est possible. Et il est en train de le faire. Et déjà, la population le réalise. 6 mois. Voilà. Et je suis d'accord. Il en a fait une partie et il y a eu des émeutes très vite aussi, des gens qui ont sorti, la gauche et autres, qui disaient que ça n'a pas de bon sens. Il l'a fait. Ce qui est important, c'est de le faire des convictions. La tronçonneuse, l'idée de la tronçonneuse était très bonne. C'était assez clair. Il n'y avait pas de chaîne, c'était juste du bruit. On parle de l'image. Bon. Moi, ce que je veux c'était dire, c'est bon, que la personne... Bon. Oui, mais c'est parce qu'il l'a fait et il avait des convictions. Parce que là, lui a dit l'Argentine, c'était la puissance. Tout le monde le sait, l'Argentine, c'était puissant quand on connaît son histoire. Et lentement, c'est devenu exactement le Canada pour ensuite passer à communisme, là, évident. Ouais. Le gouvernement engage pour être sûr d'avoir tout le monde de son côté. Mm-hmm. Et là, c'était le... Le chaos. La totale. Ça marche plus. Ça fonctionne plus. La totale. Non, plus de productivité. Et lui, il s'en vient avec ses cheveux tellement bien peignés, hein, lui, tout le temps, avec sa tronçonneuse dans une auto, il gagne l'élection. Ouais. Je répète ma question. Je ne sais pas si ça serait beau des cheveux... Ben, ils sont courts un peu. Je peux une couette. Maxime Bernier. Mais ça. Campagne mais, comme ça, ici au Canada, on en a-tu un besoin? Le PPC, voici. Est-ce qu'on en a besoin, PPC? Je dirais que oui. Parce que Javier, il a fait ce qu'il a dit, puis il a dit ce qu'il ferait. Oui. Et la question, regardez. Est-ce que les gens sont prêts à ça ici? C'est bon, la question. Bon, c'était la dernière question. Est-ce qu'ici au Canada, on est prêts ou on est confortable dans nos pantoufles, système socialiste où on est en train de dire qu'on va te fournir tes petites culottes après avoir réussi à traiter tes dents, tes yeux, tes orteils, on va même aller te les couper si tu as besoin. Oui. Bon, est-ce qu'on peut virer ça de bord ou la question? Le Canada, es-tu prêt à recevoir le PPC? C'est la bonne question. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en progression. Première élection, on a eu 1,6 %. Deuxième élection, on a eu 5 %. La bonne nouvelle avec ça, c'est qu'au prochain débat des chefs, Maxime va être là. Comment? Pourquoi? Parce que la règle, c'était 4 %. Il avait changé la règle en passant pour participer au débat, là, tu sais. En deux, ils peuvent faire ça. Ça prenait 4 % pour aller au débat, donc on a eu 5. Donc, au prochain débat des chefs, Maxime est là, normalement. Il n'y a pas de problème. Donc, imaginez le clash qu'il va avoir. Il va avoir un avec des solutions différents et le reste, tout pareil à peu près. Ils vont s'assassiner sur l'enculage de mouches, des petites patentes à gosses. Mais des vrais changements structuraux, il y en a un qui va en parler, ça va être Maxime. Déjà là, ça va être un clash au débat des chefs. Ça va être un clash, oui. Parfait. Et est-ce que les gens sont prêts? J'entends souvent, « Ah, ça nous prendrait ci, puis ça nous prendrait... » Hey, il y en a un au Canada. « Ah, oh, Maxime Bernier, ouais, on n'est pas sûr, ça. »
Pourquoi les gens sont pas sûrs? Pourquoi? Oui. Hein, hein. Je l'ai entendu, ça, c'est... Ben non, pas Maxime Bernier. Ah, ouais. Pourquoi? Ben oui, parce qu'ils sont mal renseignés, ils sont mal informés. Les médias ont fait une bonne job. Les médias ont fait une bonne job de le faire passer pour un idiot, un imbécile, un tata. Et quand il y a eu l'entrevue avec Le Monde à l'envers, avec Bruno, Bureau, c'est M. Stéphane Bureau. Stéphane Bureau. Là, il y a du monde qui ont écouté Maxime, ils ont dit, « Hein, il n'est pas si fou que ça, finalement. Hein, ça a de l'allure, ce qu'il dit. » Ben oui. Parce que quand tu sors du monde des médias, tu te rends compte que, ouais, c'est différent. Il y a encore du monde qui parle des Joe Louis. C'est drôle. Il y a quelqu'un qui est allé, un politicien qui est allé porter du café Tim Hortons en Afghanistan, puis, hey, c'était un héros. Maxime, il va porter des Joe Louis qui étaient faits en Beauce à l'époque par une compagnie Beauce Run. Qui était facile à comprendre, la raison, le lien. Ouais. Et l'idée, je la trouvais originale. Oui, puis je veux dire, c'était très bon. Mais regardez comment les médias ont viré ça de bord. Pour le ridiculiser. J'en suis bien conscient. Et, disons qu'on a vécu... Et les gens québécois, québécoises, vous devrez réaliser un jour qu'est-ce que vous voulez. Voulez-vous que... si vous voulez pas de changement, bien, continuez à voter pour la gang qui est là. Il n'y aura aucun changement. Ah, il faut tasser Trudeau. Bien, tassez-le. Mettez OK, l'autre mais l'autre façon de voir ça, c'est Maxime Bernier, il va falloir qu'il fasse le tour du Canada. Ouais. Et qu'il se fasse connaître par l'entremise des médias traditionnels qui vont finalement accepter qu'il fasse partie des débats. Ça commence. Et je termine là-dessus. Maintenant qu'on a reçu... merci, ça a été tellement, tellement agréable, Daniel Brisson. Les gens vous connaissent pas beaucoup. J'espère que ça a aidé à vous faire connaître, parce que moi, je peux vous... Pour ceux qui connaissent pas Daniel Brisson, là, ce n'est pas ce que tu appelles... c'est pas un faux... C'est un vrai. Et croyez-moi sincère, lui, Daniel Brisson, là, vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais ses dents sont par en dedans. Et quand il décide de travailler sur un dossier, il travaille, il a des convictions incroyables. Ça a été un plaisir. Daniel Brisson, la dernière question. Maintenant qu'on vous a reçu, j'ai déjà reçu M. Bernier en entrevue ici, ah oui, dans un salon. Il y a plusieurs salons au studio. Ben vous l'avez reçu dans un autre salon. Je n'insiste pas, mais évidemment, je l'ai dit au début de l'émission, je reçois plusieurs candidats et plusieurs élus. Mm-hmm. Je vous annonce tout de suite que j'ai reçu le député de Saint-Jérôme de la CAQ ici. Bravo, félicitations. J'ai hâte de voir si Youri... On va voir. J'ai bien écouté ce que vous avez dit à un moment donné. Position personnelle. Peut-être qu'il va revenir à l'émission. Il nous a fait la promesse. Juste de faire un clin d'œil à M. Bernier, dire « Hey, M. Bernier, Gilbert Thibodeau vous recevrait avant la campagne de 2025 pour avoir vos opinions, positions. Mm-hmm. » Lui, ça va être encore plus clair parce que lui, il va avoir eu le temps. Merci, Daniel Bisson, d'avoir pris la chance de s'en connaître tout ce que j'avais prévu pour les questions. Lui, il va être beaucoup plus prêt. Et c'est le chef. On est prêt à le recevoir n'importe quand. Autant que tous les autres partis, je veux que ce soit clair. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Bisson. Message passé. Merci tout le monde. À la prochaine, la semaine prochaine. Salut!